Salut à tous, aujourd'hui, nouveau tutoriel. Déjà, je tiens à m'excuser pour le retard qu'il y a eu. Ça fait quand même longtemps que j'ai sorti le premier tuto. Là, je vais essayer de faire un par semaine ou un tous les deux semaines. On verra. On verra. Et donc ce tuto, ça va concerner donc la roue avant, donc le nose wheeling en anglais. Voilà. Et pendant que j'y suis, le prochain, ça va être sur la roue arrière. Donc, ça va être similaire à celui-là, mais sur la roue arrière. Donc, à tout de suite, les gens. Alors finalement j'ai une nouvelle technique pour le faire. Je vais faire tout ça en live, donc comme ça me permet de voir un peu, enfin de pouvoir expliquer sans avoir de limite de temps, etc. Ça va être beaucoup plus simple. Donc bah, je vais vous expliquer comment on fait. Donc déjà on va commencer par la roue avant, mais uniquement la roue avant. Ce que je veux dire c'est que on va apprendre là sur ce truc à se mettre déjà sur la roue avant, et ensuite va falloir juste se stabiliser, attendre 7 secondes sur la roue avant. Donc voilà, déjà Spirox il a mis quelque chose pour éviter qu'on mette trop de temps, donc déjà c'est voilà. Alors juste faut se mettre en arrière et se mettre en... Bon il a vraiment mis pas assez de temps quoi, donc je vais appuyer sur pause. Donc pour se mettre sur la roue avant sans se stabiliser, juste déjà essayer de basculer la roue arrière, enfin de lever la roue arrière quoi, un gauche et un droite. Tout simplement gauche droite assez rapidement, mais pas trop rapidement, parce que si je le fais trop rapidement, oh, quoi que, ouais bon bah voilà, bombardez, faites un juste le gauche, faites-le au maximum, voilà, et ensuite droite, et ensuite pour se stabiliser bah juste éviter de trop partir en arrière. Bah mais, je vais recommencer parce que j'ai fait des réflexes. Voilà, si vous partez trop en avant remettez-vous en arrière, mais pas trop, enfin essayez de garder la ligne là qui va apparaître là sur l'écran. Je vais recommencer. Je vais le faire juste après, si j'y arrive au montage, parce qu'en fait je dis ça mais je suis même pas sûr que je vais arriver, mais là j'ai une petite idée derrière la tête, je pense que ça va être pas trop dur à faire. Voilà, donc gardez cette ligne là, je passe pour un con s'il n'y a rien qui apparaît. Voilà, donc voilà, essayez de basculer. Donc ça sert à rien de continuer à regarder ce tuto là, si vous n'arrivez pas à vous stabiliser même plus que 7 secondes, c'est-à-dire essayer plusieurs fois, réussir 5 fois d'affilée, etc. Enfin voilà, parce que là ça va, en fait... Le reste, bon, j'ai été une étoile. Donc le reste, ça va concerner toujours le même truc en fait. En fait, dans la suite des tutos qui vont venir là, enfin dans les quatre autres pistes qui vont concerner la roue avant, ça va être exactement le même principe. C'est-à-dire que va falloir se stabiliser tout le temps quoi. Donc là, on démarre avec le même principe, bam, gauche droite. Ensuite, donc là, on va apprendre à reculer. Donc en fait pour reculer va falloir faire un gauche droite gauche, on se laisse aller en fait pendant qu'on fait le gauche en fait. Donc là on se met, en fait faut déjà se pencher un petit peu en avant et ensuite, enfin non, je raconte de la merde en fait, parce qu'en fait c'est trop dur à expliquer en fait. Alors je vais reprendre du début là, bam, non je vais reprendre du début complètement. On se met donc gauche droite sur la roue avant, on se stabilise machin, on essaie de rester sur la roue avant là comme j'avais dit machin. Et là, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut se mettre vers l'arrière et re-se mettre vers l'avant et se laisser glisser, en fait. Si on voit après, on peut continuer. Bon, moi, je vais essayer, c'est-à-dire que j'arrive. Voilà. Après, on peut essayer de continuer si on a l'habitude, etc. Si on peut essayer, sans se restabiliser, de continuer à faire sur la roue avant, machin, comme ça. Mais bon, c'est même moi, je galère un peu. Bref. Donc, en fait, on va se laisser glisser et dès qu'on sent qu'on est plus stable, on va appuyer sur le frein. Et on va se restabiliser. Et ensuite on recommence. Gauche droite, on essaye de se restabiliser. Gauche droite, dès qu'on sent qu'on est plus stable, on se restabilise, bam, jusqu'à la ligne d'arrivée. En gros c'est ça ce qu'il faut faire, mais c'est vachement dur à expliquer. C'est vraiment vraiment dur à expliquer en fait. Donc on va continuer. Donc voilà, donc ça c'est pour reculer, donc ça va, pas trop de difficultés, mis à part si, enfin ça va, c'est pas trop non plus trop dur. Ensuite là c'est le pour avancer, ça va être le même principe sauf que va falloir se laisser tomber en avant. Donc là il a mis une difficulté supplémentaire, hop là, gauche droite, c'est juste pour se mettre sur la roue avant. Voilà, gauche droite, donc toujours la même chose. Et là il va falloir en fait se laisser tomber en avant et appuyer sur le stick vers l'arrière, du coup ça va avancer la roue avant. Je recommence, tac, hop là, et ensuite se restabiliser évidemment. En fait, faut se laisser tomber en avant. Donc là, je vais revenir un peu en arrière, voilà. Bon, voilà, j'avoue, je fais le mec. Non, mais donc voilà, on se laisse tomber en avant.
et on met son stick vers l'arrière. Mais faut pas trop se laisser tomber en avant en fait, si suffisamment. En fait, plus on va se laisser tomber en avant. Enfin, ça dépend. Enfin, voilà, faut bien. Ouais, voilà. Faut bien le juger. Faut se laisser assez tomber en avant pour aller. Plus on se laisse tomber en avant, plus on va aller loin quand on va revenir en arrière. Donc voilà, ça c'est une autre histoire. Alors maintenant, les deux derniers tutos, ça va être pour les sauts. Donc le saut en arrière. Non. Il y en a un, c'est monter des marches. Et l'autre, c'est un saut. Donc celui-là, c'est le saut. Donc là, pas de problème. Il a pas mis le gauche-droite pour se mettre sur la roue avant. Bon, c'est le même principe, machin. On se retrouve là, voilà. On se stabilise. Bon, là, je triche un peu. Non, voilà. Hop là. Alors, pour faire le saut, on va se mettre juste. Là, il est pas loin le saut. Voilà, s'il y a des trucs plus durs. Donc, faut se mettre déjà sur le bout de la planche. Sinon, on va être freiné, machin. Et en fait, ça va être pareil que pour avancer. C'est-à-dire qu'il faudra se pencher en avant et reculer. Mais pas trop, parce qu'après, la roue arrière, elle va toucher. Enfin, voilà. Donc, je recommence. Tac. On s'approche un maximum. Là, pour avancer, j'ai pas fait. Enfin, comme on doit pas avancer beaucoup, en fait. J'ai pas fait le gauche-droite, juste j'ai pensé en avant un petit peu et j'ai lâché le frein. Ah oui, j'ai pas dit ça. Quand on se penche en avant, évidemment, faut tenir le frein en fait. Et après, faut lâcher le frein quand on fait le gauche. Donc voilà. Et là, ici, donc, on se met au bord. Et là, on se penche en avant en freinant. Et là, on se met vers la gauche en défreinant. Et après, une fois qu'on retombe, on freine. Et là, on continue, on finit. Donc voilà, c'est déjà un peu plus difficile. Bon, le saut, il est pas vraiment trop dur. Là, c'est pas vraiment un saut en longueur. C'est surtout le plus dur, c'est de se restabiliser une fois qu'on a fait le saut. Bon, j'espère que j'explique bien parce que c'est vraiment assez dur à faire. Voilà. Donc, putain, j'ai ma canette qui me nargue là. Ouais, si vous avez regardé mes records 2, bah j'enchaîne ça direct après. Et j'ai toujours pas bu, j'ai toujours soif. Voilà. Alors, dans celui-là, c'est les marches. Donc les marches là, elles sont pas hautes, mais ce qui en fait ça va être pareil que pour avancer en avant, c'est juste qu'il va falloir plus se pencher en fait. Il va falloir donner une impulsion plus grande. Donc là on peut voir qu'il y a deux marches, puisqu'il y a deux planches, elles sont vraiment pas hautes, hein. Mais là si je veux monter machin, si je me mets comme ça, on va pas pouvoir monter, on sent bien. Enfin ouais, évidemment, pour me contredire, voilà. Mais on voit bien qu'il y a une marche, machin, enfin voilà. Donc voilà, on se stabilise. On prend un petit peu d'élan, contrairement au saut, on se met pas juste devant. On prend un petit peu d'élan, on se laisse tomber en avant et on recule. Voilà, ça monte. Et ensuite là, pareil, ouais, évidemment, là voilà, on se remet sur le bord le plus loin possible du. Enfin, ça dépend, faut bien juger aussi. Là, on n'a pas beaucoup d'élan, donc je me mets le plus à gauche de la planche. Voilà, je me stabilise à chaque fois là, parce que je parle. Et ensuite, bam, on se laisse tomber en avant et on recule. Et là, on refreine en haut. Et là, après, on continue, on finit. Donc, c'est vraiment assez dur à faire, on va dire, pour une première fois. Après, avec l'habitude, voilà, vous voyez, j'ai presque jamais raté. Donc, c'est assez facile, voilà, c'est une fois qu'on a l'habitude. Mais le plus dur, voilà, c'est la prise en main. Et vraiment, faut vraiment que vous réussissiez à faire ça. Donc, je vais mettre, je sais pas, mon replay, je sais pas où je suis, je sais même pas si j'ai un replay, si, voilà, je suis. Voilà. Je vais mettre mon replay et je vais appuyer sur le ralenti, comme ça vous pourrez voir les touches. Je vais pas le faire pour tous. Pas pour les sauts en tout cas. Donc voilà, là en fait c'est tout con, j'essaye de me stabiliser, de me stabiliser. Voilà, j'appuie sur le stick, pardon, enfin, je galère, que quand c'est nécessaire. Et voilà, donc là c'est terminé. Hop là. Je vais mettre aussi les ralentis juste pour avancer et reculer. Je suis pas sûr que ce soit très très bénéfique, mais bon, parce que ça c'est vous pouvez le faire vous-même en fait. Vous prenez un replay bam au hasard et vous appuyez sur le ralenti. Ça c'est un peu votre travail d'analyser le stick et le frein, etc. Donc voilà, gauche, je fais un droite. Bon là j'ai vraiment beaucoup appuyé sur ce replay exprès pour que bien vous montrer ce que j'expliquais. Bon, évidemment, laissez-vous glisser un peu plus, c'est plus. Ce sera plus facile que ça, je pense. Parce que là, c'était de la boucherie. Et donc, sur la roue avant, pour finir.
Enfin, vers l'avant plutôt, parce qu'on est... C'est que sur la roue avant. Donc encore une fois, merci à Spirox et tous ceux qui sont encore là pour le tuto. Parce que je pense qu'il y en a qui ont quitté avant, sûrement. Et ben, envoyez un message à Spirox en le remerciant, parce que c'est grâce à lui quand même toutes ces pistes. Merde, j'ai pas mis ralenti, je vais la remettre. C'est grâce à lui quand même toutes les pistes. Enfin, tous les tutos, toutes les pistes des tutos là, c'est grâce à lui qu'elles sont là. Et donc, si vous pouvez tous envoyer un message à Spirox, juste en le remerciant, en lui disant un petit message gentil, et comme ça on comptabilisera le nombre de personnes qui lui ont envoyé un message, ça pourrait être cool. Je le dirai dans le prochain tuto. Donc voilà, vous aurez à peu près 3-4 jours avant que je tourne l'autre, je pense. Je vais l'enchaîner assez vite ici. Ah, bah non, faut qu'ils construisent la piste. Bon, on verra. En tout cas, vous aurez largement une semaine pour envoyer ce fameux message et on comptabilisera le nombre de messages qu'il aura reçu. Ça pourrait vraiment être cool. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine pour le prochain tuto. Donc je le rappelle sur la roue arrière. J'ai pas dit de piste sur la roue avant spécifique. Parce que là, ça suffit complètement pour s'entraîner, etc. Vous tomberez assez souvent dessus. Sur la roue arrière non plus, je pense pas que je vais en dire des pistes spécifiques à ça. Parce que le bunny hop, encore, ouais, peut-être. Il y en a, ils m'ont dit que ça se disait bunny up, mais les deux se disent en fait. Bunny up, les deux se disent. Puisque l'autre ça veut dire saut de lapin et l'autre ça veut dire saut en hauteur, je sais pas. Bref. Je vous dis à la prochaine les amis et pendant ce temps-là, bah j'espère que vous allez regarder mes autres vidéos. Allez, salut tout le monde.